Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis en compagnie de Fabio. Salut tout le monde. Donc, Fabio qui nous a ramené sa petite abarth. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va faire la présentation. Avant de faire la présentation, je te laisse dire la différence qu'il y a entre une abarth basique et la tienne. Ouais, alors la mienne, donc une abarth basique, déjà, ça va partir sur une base de 145 chevaux sur les dernières phases. Là, sur la mienne, on est sur une 180 chevaux. Après, la différence qu'on va avoir aussi, c'est la ligne d'échappement, l'intérieur aussi qui est un peu différent au niveau du volant et des sièges. Bon, déjà les amis, pour ce qui est de la couleur, on est sur une espèce de gris nardo. Donc, est-ce que tu as le nom de la couleur? Ouais, alors le nom de la couleur, c'est gris campovolo. Ok, bah, en tout cas, elle est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur. Moi, j'aime beaucoup. Après, on est sur des phares Big Xenon. Ici, on retrouve les anti-brouillards à LED. Petits anti-brouillards ici, à ce niveau. Ici, on retrouve un petit peu de plastique avec des entrées d'air à nid d'abeille. Un petit détail que j'aime beaucoup, l'abarth couleur carrosserie. Donc ça, je suppose que c'est le modif que tu as fait. Ouais, c'est le modif que j'ai fait parce que quand tu prends une abarth, quand tu sors d'usine, alors en fait, c'est écrit abarth déjà d'origine, mais c'est noir. D'accord. Ben, en tout cas, tu as fait un très bon choix. Regardez la gueule que ça lui donne. Ici, on retrouve un petit peu de blanc à ce niveau, pareil. Après, pour ce qui est des jantes, on a un 17 pouces avec un freinage Brembo. Donc les jantes, elles sont super belles, je trouve que ça contraste bien avec la couleur. Donc ça, c'est des jantes aussi qui sont en catalogue. Ouais, c'est ça, ouais, c'est d'origine en fait sur la SASC. En fait, de base, la vraie base de la SASC chez Abarth, c'est cette couleur-là avec ce kit carrosserie au niveau kit esthétique, avec D'accord. Les bandes et les jantes en blanc. D'accord. Donc après, un rappel avec les jantes, on retrouve la petite bande Abarth en blanc. Ici, les coques de rétroviseur en blanc. Donc le véhicule en option, il a l'auto-ouvrant aussi. À ce niveau, on retrouve la petite antenne Abarth que j'aime beaucoup. Ici, pour ceux qui veulent suivre le propriétaire, donc ça c'est son Instagram. Ici, on retrouve une finition mat sur les poignets, très jolie. Là, pareil, pas de chrome. Ici, le petit badge 70e anniversaire. Donc ça, je pense que pareil, c'est en fonction de la finition de la voiture. Non, c'est en fonction de l'année de la voiture. L'année de la voiture. En fait, d'accord. C'est les voitures qui ont été faites en 2019 pour les 70 ans de la marque. Et il n'y a que 2019 où toutes les 500 voitures sont sorties d'usine et qu'ils ont ce badge-là. D'accord, ok. Nickel. Donc ici, donc, les mêmes jantes qu'à l'avant. Ici, tout ce qui est trappe pour le réservoir. Tu peux ouvrir l'intérieur. Le réservoir, combien de litres? Ah, oh, nickel. 35 litres. 35 litres, ouais. Petit détail, j'aime beaucoup, ouais. C'est vraiment beau. Ici on retrouve les phares avec un petit rappel couleur carrosserie qui va très bien. Le petit badge pour vous dire la finition de la voiture, le modèle. Ici pareil, une finition mat avec l'inscription 500, pareil, très très joli. Le logo qui est en noir, pareil. Ici, je pense que c'est un club où tu es abonné, ouais, c'est ça? C'est un club officiel d'Abarth. Chaque région a son club. Donc nous, bah, vu que c'est Paris, c'est Abarth Club Paris. D'accord, nickel. Et les amis, regardez, elle a la ligne Akrapovic. Donc autant vous dire que ça sent super bien. Ici, un petit rappel. Le diffuseur, il est vraiment énervé. Regardez, il est bien travaillé. Ici, on retrouve des petites prises d'air à ce niveau. Voilà, forcément, effet anti-brouillard, etc. Franchement, je la trouve super belle. Elle a vraiment une config au top. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va présenter l'intérieur. Et pour ce qui est de l'intérieur, ici, on retrouve du plastique, du cuir à ce niveau. Ici, on peut retrouver la petite inscription à Abarth. Ici, on retrouve les sièges en cuir et en tissu avec des surpiqûres rouges avec le badge Abarth et 70e anniversaire. Ici, on retrouve le pédalier en carbone, petit détail que j'aime beaucoup. Après, on retrouve la petite casquette en Alcantara. Pour ce qui est du volant, on retrouve un volant en Alcantara avec le petit rappel à 12 heures en carbone. Ici, du cuir, l'Alcantara, encore du carbone. La petite inscription à Abarth. Pour ce qui est des compteurs, on est sur des compteurs digitaux. Ils sont très très jolis. Regardez, quand vous mettez mode sport, les compteurs changent. Ici, on retrouve la pression du turbo. Petit détail que j'aime beaucoup, regardez. Hop, la petite Abarth qui part. Ici, la boîte manuelle à 5 rapports. Ici, la petite finition en mat avec l'inscription à 500. Et je vais vous montrer aussi
un truc qui est très beau sur les sièges. Regardez, les sièges sont full carbone à l'arrière. C'est très 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 beau. Donc pour ce qui est du moteur, ici on retrouve le cache en rouge avec le scorpion, très très joli. Donc le moteur, c'est un moteur 1 litre 4 turbo qui développe 180 chevaux. Est-ce que tu connais les Nm? Ouais, 350. 350, ah, ça doit bien marcher pour le poids de la voiture. Niveau poids de la voiture, on est sur quel poids? 1,60 tonne. 1,60 tonne, donc ouais, c'est super léger. 1,60 tonne, 1,80 tonne. Ouais, nickel, bon, c'est super léger quoi qu'il arrive. Et donc maintenant, sans plus tarder, on va faire écouter le bruit de la voiture. De la Barthe. Donc déjà, première chose, les sièges, ils ont un super maintien, il n'y a rien à dire. Donc Fabio, tu me disais que c'est ta deuxième Abarth, toi? Ouais, c'est ça. Ouais. Avant, j'avais justement une jaune de 145 chevaux. D'accord. Et toi, c'est quoi qui t'a fait rester dans la marque? Les sensations. Les sensations, ouais. Les sensations, elles sont juste folles. La communauté aussi. Ouais. Avant, j'étais chez Alpha. Avant d'être vraiment chez Abarth, j'étais chez Alpha et la communauté, c'est pas du tout la même. Ok. Je vais allumer la petite lumière. Ça, petite lumière LED qui éclaire très très bien. C'est pas d'origine, mais c'est toi qui a fait la petite motif. Ouais. Bon, tu me diras maintenant, pas beaucoup de constructeurs qui mettent des LED à l'intérieur, c'est alors qu'ils font payer une blend. C'est ça. Donc là à droite, et là la première à droite. Donc on va faire des petits plans là, on va entendre le bruit. Donc voilà, si tu veux te faire un petit plaisir là, tu as la petite ligne droite. Ah oui, elle est belle, c'est bon. Pas grand chose, 200. 200, ouais. Bon, on gagnerait chevaux de plus. C'est ouais. Surtout au niveau du couple, je pense. Ouais, c'est ça. Peu, ouais. Donc voilà, les amis, c'est ici que s'achève la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et surtout d'activer les cloches de notification. Donc merci à toi, Fabio. Ben, merci à toi, hein, depuis le temps qu'on avait prévu de ouais. Se rencontrer pour faire une vidéo. Maintenant, c'est fait. Donc voilà, merci à toi. Merci à toi aussi. Donc je vous remonte l'Instagram. Donc n'hésitez pas à checker sa page. Voilà famille, ciao ciao. Salut.